Nous avons récemment appris que Callum von Mugger avait été admis en unité de soins intensifs après s'être jeté du deuxième étage sous l'emprise des stupéfiants pour ce qui semble être une tentative de suicide. J'ai vu pas mal de gens en parler sur les réseaux, mais ne pas aborder un point qui me paraît crucial dans cette histoire, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Voyons ça ensemble. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nevin, je suis coach et co-fondateur de la formation Bayesian France. Et sur cette chaîne, nous explorons ensemble les stratégies et les outils qui nous aident à vivre une vie plus saine, plus heureuse et plus productive. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de l'affaire de Callum von Mugger, qui m'a honnêtement assez choqué quand on sait où il était il y a quelques années, quand il a filmé son film pour Generation Iron. C'était vraiment quelqu'un qui était... au sommet de la sphère bodybuilding, qui semblait vouloir accéder au cinéma, qui avait un petit peu toute la réussite pour lui. Et malheureusement, voir dans quel état il est aujourd'hui physiquement, et on va en parler un petit peu plus mentalement également, ça m'a vraiment touché et j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit dans l'intro, il y a beaucoup de monde qui a parlé de cette affaire, parce que évidemment les sujets comme ça, ça fait beaucoup de vues sur YouTube, mais j'ai vu personne parler de quelque chose qui est vraiment comme le nez au milieu de la figure, parce que je pense que c'est important d'en parler, c'est important de faire de la prévention à ce sujet, donc je vais en parler dans cette vidéo. Alors pour ceux qui n'ont pas trop suivi la descente aux enfers de Callum, il y a une histoire où il s'est embrouillé avec un mec sur la route, il est sorti de sa voiture avec une machette et il a éclaté sa voiture, il a eu un jugement, il a été condamné je crois pour ça. Il est rentré en Australie parce que ça semblait pas fonctionner, il n'était pas dans un bon état mental quand il était aux États-Unis. Il y a aussi récemment... eu pas mal de vidéos à son propos parce qu'il a malheureusement percuté un kangourou sur la route, il l'a mis dans son coffre et après il a fait des vidéos un petit peu bizarres où il est en train de parler au kangourou et on comprend pas trop ce qui se passe alors que le kangourou il est mort dans son coffre. Par rapport à ça, il faut savoir que il y a énormément de kangourous en Australie. Les seuls prédateurs pour les kangourous c'était les dingos, les chiens sauvages australiens, mais vu qu'ils ont été complètement décimés, les kangourous ont proliféré. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'accidents de la route et que c'est un petit peu problématique parce que on n'arrive pas à contenir le nombre de kangourous en Australie. Donc ça arrive, il y a pas mal de gens qui percutent des kangourous, il y a pas mal de gens qui les récupèrent parce que c'est de la viande comestible. Alors je sais pas si on peut manger du kangourou sauvage ou si c'est du kangourou d'élevage, mais quand vous allez en magasin ici, vous pouvez acheter du kangourou. Ensuite, il y avait vraiment une vidéo bizarre où il était en train de filmer une petite fille en train de manger un burger dans un McDonald's. Ou en train de lui mettre un espèce de filtre sur la tête, etc. Enfin, vraiment le truc trop bizarre, si t'es la mère de la gosse et que tu vois le mec comme ça en train de filmer ta fille, tu dois péter un câble, surtout l'afficher et la mettre sur les réseaux sociaux en se foutant de sa gueule. Enfin, c'était vraiment bizarre, tu sens que il est vraiment un peu perdu. Alors si vous avez suivi Callum jusqu'à maintenant, c'était quelqu'un qui se prenait vraiment pas la tête. Je pense que c'est quelqu'un d'assez simple, qui aime les choses simples. Et il correspond pas mal à un stéréotype qu'on voit beaucoup en Australie, des mecs qui vivent la fast life, tatoués de la tête aux pieds, sur le visage, qui s'entraînent, qui prennent des stéroïdes, qui vont en festival et qui prennent beaucoup de drogues récréatives, qui mettent pas un sou de côté parce qu'on sait pas de quoi demain sera fait. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup ici et ça correspond un petit peu à cette image de pas se prendre la tête, de vivre au jour le jour, de kiffer sa vie, voilà. Ce qui est sûr, c'est que ces derniers temps et ces dernières vidéos, on a vu clairement une personne qui semble ne pas aller bien mentalement. Je pense que c'est très difficile à gérer d'être connu à ce niveau. Ça met beaucoup de pression. Dès que tu fais un truc, dès que tu postes une story, tout de suite, t'es jugé par rapport à ce que tu fais. Et quand t'es un mec comme lui qui réfléchit pas forcément à ce que ça peut impliquer ou comment les gens vont réagir par rapport à ça, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas du tout et qui finalement le bouffe d'une certaine manière. Clairement, tu as envie de lui dire coupe-toi des réseaux sociaux, coupe-toi d'Instagram, concentre-toi sur toi, prends du temps pour organiser ta vie, pour aller mieux psychologiquement. Parce que là, malheureusement, il est dans une spirale où dès qu'il fait un truc, il se fait juger négativement. Ça doit l'impacter négativement parce qu'il dit « ouais, mais c'est pas ce que je voulais, etc. » Après, il s'excuse et après, il recommence. Enfin bref, on voit clairement que c'est quelqu'un qui est pas bien dans ses baskets. Et être aussi présent sur les réseaux avec une telle exposition, c'est vraiment pas quelque chose de facile à gérer à mon avis.
Après, certains vont dire oui, mais il peut pas couper les réseaux à cause de ses sponsors, etc. J'ai l'impression que dernièrement, il avait pas vraiment de sponsors. J'ai l'impression que ses revenus en termes d'argent étaient dérisoires. Et c'est une des raisons pour laquelle je crois qu'il est rentré en Australie et qu'il est allé vivre chez ses parents. Alors, si on revient un petit peu en arrière pour essayer de comprendre un petit peu cette descente aux enfers, je pense que ça a clairement commencé quand il s'est fait mal. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, il avait fait un double curl biceps avec Chris Bumstead. Il s'était arraché le biceps gauche. Et ensuite, il avait également déchiré complètement son quadriceps lors d'une descente en rappel sur une falaise en Australie. Donc deux grosses blessures qui clairement l'ont affecté mentalement. C'est quelque chose dont j'ai pas mal parlé dans ma série de vidéos sur les blessures. Et je pense que les gens sous-estiment l'impact d'une blessure physique sur quelqu'un comme Callum qui vit à partir de son exposition et de sa plastique. C'est quelqu'un qui a investi énormément de temps sur son physique. Et le fait de ne plus ressembler à l'image qu'il a de lui-même, le fait de ne plus pouvoir faire ce qu'il a fait jusqu'à présent, parce que c'est quelqu'un qui s'entraîne depuis qu'il est tout jeune, le fait d'avoir un quadriceps coupé et un arrachement du biceps, bah, ça vous limite énormément dans ce que vous pouvez faire. Ça peut engendrer beaucoup de frustration à tous les niveaux, psychique, physique et au niveau financier également, parce que si vous pouvez pas faire ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, potentiellement il y a le stress des sponsors, etc. Et le fait qu'il ait eu deux blessures extrêmement sérieuses font que sans doute ses entraînements ne seront plus jamais les mêmes d'une certaine manière. Un arrachement total du quadriceps, c'est une grosse, grosse blessure. Peut-être que entre-temps, il n'a pas réussi à revenir à son meilleur niveau. Il a commencé à prendre un petit peu de l'âge. Et on a vu que le Callum Van Mauger d'avant blessure n'était pas le même que le Callum Van Mauger d'après blessure. Entre-temps, il y a eu des séparations amoureuses. Je crois que sa maison a brûlé. Ensuite, il a perdu ses animaux de compagnie. Enfin bref, un enchaînement d'événements qui clairement ferait déprimer n'importe qui. Alors je sais que ça fait un petit peu gossip comme vidéo, mais on va venir au point qui, à mon avis, est très important d'aborder dans cette vidéo et dont personne n'a parlé jusqu'à présent d'une certaine manière. C'est le fait que souvent, et en particulier aux États-Unis, quand on se blesse et quand on a une blessure de cette envergure, les médecins vont vous prescrire des médicaments antidouleurs, type opioïdes, pas forcément des choses qui sont très faciles à obtenir en France, mais je sais qu'aux États-Unis, vraiment, c'est super facile d'avoir des trucs comme oxycotone, des trucs comme ça, qui sont des médicaments qui créent énormément de dépendance sur le long terme. Parce que, en fait, quand on a mal, on va prendre ces médicaments, et ensuite, quand on va vouloir arrêter, il va y avoir potentiellement des effets secondaires de sevrage qui fait que bah, certaines personnes continuent à en prendre. Et c'est vraiment un gros problème aux États-Unis. Il y avait des sondages qui montraient que environ 6% des gens qui sont prescrits ce genre de médicaments vont en abuser. 6% des gens qui en abusent, ça représente quelque chose entre 16 et 18 millions de personnes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une grande partie des personnes qui vont abuser justement de ces médicaments opioïdes vont potentiellement basculer vers d'autres drogues. Alors je ne dis pas que prendre des médicaments antidouleurs va faire de vous des drogués, mais il faut bien comprendre que dans les années 2000, aux États-Unis, 75% des personnes qui utilisaient de l'héroïne ont commencé par des médicaments prescrits par des médecins. Donc ça vous montre bien que c'est une réalité, qu'il y a beaucoup de gens qui finissent malheureusement à utiliser des produits qui sont bien pires que bah, les médicaments qui sont prescrits et que c'est un vrai problème de société, en particulier aux États-Unis où ça semble plus facile d'obtenir ce genre de médicaments. Alors pourquoi je vous parle de ça pour en revenir à Callum? Eh bien, je me demande si Callum, après s'être blessé, ne se serait pas potentiellement mis à consommer ce genre de médicaments qui aurait pu bah, lui permettre de se sentir peut-être un petit peu mieux psychologiquement par rapport à tous les événements de sa vie et être un petit peu la solution qui est apparue pour lui pour trouver du bien-être là où il se sentait vraiment mal et peut-être déprimé. Malheureusement, quand vous n'êtes pas bien dans votre vie et qu'on vous met à disposition ce genre de médicaments, c'est parfois la seule issue de secours à vos yeux et ça vous pousse à tomber dans l'abus. Parce que dans ce qu'on a appris récemment, c'est que quand il s'est jeté du deuxième étage à travers une vitre, il était sous l'emprise de méthamphétamine, qui est une drogue qu'on pourrait dire dure et qui n'est clairement pas recommandable. God damn right.
Et il y a un autre truc que j'aimerais mettre en lumière par rapport au bodybuilding. Et avant de dire ça, j'aimerais dire que j'ai beaucoup d'amis qui se dopent. Et c'est pas du tout un jugement de valeur. C'est juste quelque chose que j'aimerais mettre en lumière. Parce que je pense que c'est aussi important d'en parler. C'est que le fait de se doper, d'utiliser tout un arsenal de seringues, de médicaments, etc. Ça normalise pas mal de choses. Et je pense que c'est beaucoup ce que je vois ici en Australie. Ça facilite en fait le passage du dopage à potentiellement l'utilisation de drogues récréatives, parce que ça dédiabolise toutes les pratiques un petit peu plus hardcore qu'une personne qui n'a jamais utilisé une seringue ou quoi que ce soit, pourrait se dire ouais mais là je vais pas m'injecter des drogues, t'es complètement ouf, tu vois. Et je pense que ça peut impacter la manière dont les gens voient les choses. Après, encore une fois, je ne dis pas que les personnes qui se dopent ou qui prennent des produits pour améliorer leur performance vont utiliser d'autres drogues, pas du tout. La plupart des gens que je connais qui utilisent des drogues pour améliorer leur performance sont vraiment à l'opposé de ça, ne boivent pas d'alcool, ne fument pas, font vraiment attention à leur santé en général. Donc encore une fois, pas d'amalgame. Et je pense que c'est important d'aborder les côtés psychologiques. Je pense que c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, en particulier dans les sphères du bodybuilding et de la musculation, alors que pourtant c'est des endroits où on voit beaucoup de gens avec des problèmes psychologiques, malheureusement. Il y a aussi tout le côté réseaux sociaux où on a l'impression que tout le monde est heureux, que tout va bien et que finalement potentiellement il y a que moi qui ai des problèmes et qui me sens pas bien dans mes baskets et qui a l'impression de faire tout mal parce que tout le monde est heureux sauf moi, alors qu'en réalité c'est pas du tout le cas. Tout le monde a des problèmes dans sa vie, mais c'est pas les choses qu'on met en avant sur les réseaux sociaux, évidemment. Donc si vous n'allez pas bien, parlez-en à quelqu'un. Parfois c'est plus facile d'en parler à quelqu'un qui est pas forcément proche de vous mais qui pourra potentiellement vous aider. N'hésitez pas à demander de l'aide parce que c'est extrêmement important pour pas justement se renfermer et malheureusement se retrouver à faire des choses que vous n'auriez pas fait en temps normal. Et quand on a des problèmes psychologiques, qu'on va pas bien, qu'on a l'impression de déprimer, je pense qu'il faut faire extrêmement attention à l'utilisation de drogue, quelle qu'elle soit, parce que ça peut sembler comme une sortie de secours, mais ça ne l'est absolument pas, c'est juste la voie vers encore plus de problèmes. Et j'inclus là-dedans aussi tout ce qui est produits qui augmentent la performance, tout ce qui est stéroïdes androgènes anabolisants, parce que tout le côté hormonal va jouer aussi avec votre santé mentale. Bref, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette histoire, savoir ce que vous en pensez. Si vous allez pas bien, n'hésitez pas à demander de l'aide. Je pense que c'est le principal message de cette vidéo. Faites attention aussi, si vous êtes prescrit certains médicaments et que vous sentez que vous basculez vers une utilisation qui n'est plus pour votre douleur, mais pour votre bien-être, posez-vous les questions, essayez de trouver de l'aide par rapport à ça. J'espère en tout cas que cette vidéo aura été instructive et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour savoir quand je sors une prochaine vidéo, et moi je vous retrouve dans la prochaine. Ciao.